Pour débuter la quête de Gurranq, vous devez parler avec le PNJ qui se nomme D, qui se trouve au bastion de la table ronde, et lui montrer une des 9 mortefleurs dissimulées dans l'entre-terre et dont vous trouverez les positions dans la seconde partie de cette vidéo. Acceptez alors d'être présenté à Gurranq le clair bestial, afin que D ajoute un marqueur rouge sur votre carte. Pour vous y rendre facilement, il vous suffit d'utiliser le portail de téléportation qui se situe au nord-est de l'église de Marika, où était cachée la fiole de salut miraculeux. Vous arriverez ainsi directement au sanctuaire bestial où vous attend Gurranq et auquel vous pourrez donner les 9 mortefleurs afin d'obtenir plusieurs récompenses qui sont listées dans la troisième partie de ce guide vidéo. Un dernier élément important à savoir à propos de cette quête, c'est qu'après lui avoir remis la quatrième mortefleur, Gurranq deviendra fou et se mettra alors à vous attaquer. Il vous faudra donc le frapper pour lui faire perdre une partie de sa vie et ainsi le forcer à retrouver ses esprits pour qu'il se calme. Il ne vous restera plus qu'à dormir au site de grâce à proximité afin de pouvoir lui parler à nouveau pour lui donner les autres mortefleurs.